Alors maintenant on sait calculer l'aire d'un triangle équilatéral de côté S, puisqu'on a vu ça dans une vidéo précédente, et voilà la formule qui donne l'aire de ce triangle équilatéral de côté S. S au carré fois racine de 3 de tout divisé par 4. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est essayer de calculer l'aire du flocon de coque. Alors le flocon de coque, on a vu ce que c'était dans une vidéo précédente. Pour le construire, on part d'un triangle équilatéral. Je vais le faire rapidement là. Ensuite, on divise chaque côté en trois parties. Et on, fait, on trace un triangle équilatéral à partir du segment du milieu. Voilà, on fait ça sur chaque côté, ça donne ça. Ça c'est la première étape. Et puis à la deuxième étape, on fait la même chose sur chaque côté. Donc voilà. On trace un triangle équilatéral sur le côté, sur le segment du milieu, pardon. Voilà. Et puis on continue à ça c'est la première étape, on le fait une deuxième étape, on refait ça sur chaque côté de la figure qu'on a obtenue, et ainsi de suite indéfiniment. Alors ça c'est le flocon de coque, et on avait vu dans une vidéo précédente que c'est une figure assez étrange parce que c'est une figure qui a un périmètre infini, mais une aire finie. Alors l'air finie, on avait évoqué ça, on avait justifié, vu un petit peu pourquoi l'air était, était fini. Mais on ne l'avait pas démontré de manière rigoureuse. Alors c'est ce qu'on va faire ici dans cette vidéo. On va essayer de démontrer, de calculer l'air de cette figure. Alors je vais faire un petit peu de place. Voilà. Alors je vais commencer par dessiner un triangle équilatéral propre. Voilà. Le dernier côté, pas très joli. Voilà. De côté S. Voilà. La mesure du côté, c'est S. Alors maintenant ce que je vais faire c'est construire petit à petit, pas à pas le flocon de coque à partir de ce triangle et puis je vais utiliser à chaque fois cette formule là puisque en fait le flocon de coque c'est une, une succession de triangles équilatéraux. Alors je vais garder trace du nombre de côtés de la figure qu'on a obtenu à chaque étape. Ça je vais l'écrire ici. Côté. Ça, là, ici je vais écrire le nombre de côtés de la figure à chaque étape et puis en dessous je vais calculer l'aire en ajoutant à chaque fois l'aire des triangles équilatéraux qu'on a ajouté à chaque étape. Alors, du coup, je commence ici au début, on a un triangle équilatéral de côté S, et il y a trois côtés. Donc je vais noter ici qu'il y a trois côtés. Puis je vais calculer l'aire de ce triangle équilatéral, c'est S au carré fois racine de 3 sur 4. Donc ça S au carré fois racine de 3 sur 4, ça c'est ce qu'on obtient. À, grâce à cette formule-là que j'ai notée au début. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que quand je vais... Alors je vais mettre plutôt le S de l'autre côté, hein, ça sera plus facile. Voilà, ça me laissera un peu plus de place. Alors à la deuxième étape, eh ben, je partage chaque côté en trois parties égales et je construis un triangle équilatéral à partir du segment du milieu. Voilà. Donc ici, j'ai des, des trois segments de longueur S sur 3. S sur 3, S sur 3, S sur 3. Et là aussi, j'ai S sur 3. Puisque c'est un triangle équilatéral. Hein. Donc là, ces deux côtés-là mesurent S sur 3 aussi. Alors ça, ça veut dire que finalement, là au départ, j'avais un seul côté. Et maintenant, j'ai combien de côtés J'ai 1, 2, 3, 4 côtés. Donc en fait, chaque côté du triangle de l'étape précédente, a été, euh, divisé, a été multiplié par 4. Donc finalement, pour obtenir le nombre de côtés de la figure de l'étape 2, là, dans l'étape à laquelle je suis maintenant, il faut multiplier par 4 le nombre de côtés. Alors, on va, on, je vais faire la figure comme ça, on va aussi vérifier que c'est vrai. Donc je vais tracer mon triangle équilatéral ici, tracer le triangle équilatéral là. Voilà. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 côtés, c'est-à-dire exactement ce que je disais tout à l'heure, 3 fois 4. Donc pour obtenir le nombre de côtés de l'étape 2 à laquelle je suis maintenant, je prends ce 3 et je vais le multiplier par 4. Je vais le multiplier par 4 ça me donne 3 fois 4 c'est 12, donc finalement je peux dire que j'ai 12 côtés, c'est ce que j'ai compté aussi, hein. donc ça va, ça marche. Alors maintenant pour calculer l'air ici, il faut que j'ajoute, à l'air de ce premier grand tri triangle équilatéral de l'étape précédente, il faut que j'ajoute l'air des trois petits triangles que j'ai ajoutés ici en bleu. Donc ça va être 3 fois, 3 fois l'air de chacun de ces petits triangles, puisqu'ils ont la même aire, hein, ce sont des triangles équilatéraux de côté S sur 3. Alors du coup je vais appliquer cette formule-là, mais euh, le côté c'est pas S, c'est S sur 3. Donc ça va être racine de 3 fois S sur 3 au carré, le tout divisé par 4. Voilà. Alors cette, cette partie-là, c'est l'air d'un des triangles équilatéraux, donc en bleu, hein, que j'ai ajouté en bleu, donc si je multiplie par 3, j'ai bien l'air de cette étoile de David ici. Alors... Je vais maintenant continuer à l'étape avec l'étape suivante. Alors l'étape suivante, qu'est-ce que je fais ben, Je rajoute, alors je vais, je, vais, je vais gommer un peu tout ça parce qu'on ne va plus rien y comprendre. Voilà. Alors maintenant, du coup, pour l'étape suivante, ben, simplement je 9, divise en trois parties égales chaque côté de, de l'étoile que j'ai dessinée et je trace un triangle équilatéral sur chaque segment du milieu de chaque côté. Voilà. C'est ce que je fais comme ça. Rapidement. Je le fais assez vite, hein. c'est juste pour qu'on se rappelle de l'étape à laquelle on est et qu'on voit bien ce qui se passe. Alors, du coup, ben là, c'est comme tout à l'heure, hein. chaque côté de la figure est maintenant devenu quatre côtés. Donc il faut encore, pour trouver le nombre de côtés, il faut encore multiplier par quatre. Donc là, je vais partir de 12, au départ j'avais 12 côtés, enfin à l'étape 2 j'avais 12 côtés, à l'étape 3 j'ai 12 fois 4 côtés, c'est-à-dire 48. Alors là on pourrait encore le compter mais ça serait un petit peu long, je te laisse le faire si tu veux, t'en assurer. Alors maintenant j'ai ces 48 côtés et maintenant j'ai ajouté combien de triangles équilatéraux J'en ai ajouté 1 sur chaque côté donc j'en ai ajouté en fait 12 puisque j'avais 12 côtés donc j'ai ajouté 12 triangles équilatéraux. Donc maintenant, pour calculer l'air de la surface obtenue ici à l'étape 3, à la troisième étape, il faut que j'ajoute l'air de ces 12 petits triangles équilatéraux que j'ai dessinés en rose. Alors le côté de ces triangles équilatéraux, c'est pas S sur 3 Ici, ce, celui-ci, on l'a divisé par 3. Donc au départ, on partait d'un côté de longueur s sur 3 qu'on divise par 3. Donc la longueur de, du côté des triangles équilatéraux euh, dessinés en rose, ce n'est pas s sur 3, c'est s sur 9, puisqu'on l'a divisé par 3. Donc l'aire la, de chaque triangle équilatéral, on va la calculer avec cette formule-là, mais en remplaçant s par s sur 9. Et puis on va multiplier par 12, parce qu'on a 12 triangles équilatéraux. Donc je vais ajouter donc, 12, ça c'est le nombre de triangles équilatéraux, et maintenant l'aire de ces triangles équilatéraux, alors je vais l'écrire comme alors, je mets racine de 3 fois s, alors c'est pas s, c'est s sur 9, le tout au carré, et puis le tout divisé par 4. Voilà. Alors ça, c'est donc ce qu'on obtient à l'étape 3. Alors bon, je pense qu'on commence à voir ce qui se passe là, mais je vais quand même rajouter une étape pour euh, que ce soit encore plus clair, enfin, pour essayer de clarifier, clarifier encore plus. Alors à l'étape suivante, je sais que je vais construire en fait un petit triangle équilatéral sur chaque côté de cette figure, et comme j'ai 48 côtés, je vais avoir 48 triangles équilatéraux, voilà, dont je vais calculer l'air maintenant ici. Alors le côté de chacun de ces triangles équilatéraux, ça sera, on va partir d'un côté de, de longueur S sur 9 qu'on va diviser par 3, donc ça sera S sur 27. Donc voilà, maintenant je, peux, je vais écrire l'air de chacun des triangles équilatéraux qu'on ajoute à cette étape-là. Donc ça va être racine de 3 fois S sur 27, puisque c'est S sur 9 divisé par 3, le tout au carré divisé par 4. Voilà. Et puis ensuite, on continue de cette manière-là. Bon, je ne vais pas le faire, mais on continue indéfiniment jusqu'à écrire l'air de la surface entièrement. Donc, donc il faut imaginer qu'on continue à ajouter des triangles équilatéraux comme ça à l'infini. Alors voilà, on obtient une expression qui est un peu compliquée, mais on peut essayer de la simplifier. Déjà, on peut essayer de factoriser un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'il y a comme facteur commun Bon, il y a déjà ce 4. Il y a le racine de 3 et il y a le s au carré aussi puisque le s au carré on le retrouve à chaque fois. Donc c'est ce que je vais faire, c'est ça. Je vais déjà factoriser s au carré fois racine de 3 sur 4. Alors je commence, donc j'écris s au carré fois racine de 3 sur 4. Ça c'est le facteur commun. Alors ici il me reste donc 1. Et puis ensuite je vais utiliser les couleurs. Alors dans le deuxième terme il me reste ce 3 qui est ici. Et puis ça je l'ai enlevé déjà, ça, ça je l'ai mis en facteur, et j'ai mis le s au carré aussi, donc il me reste 1 tiers au carré. 3 fois 1 tiers au carré. Voilà, ça c'est le deuxième terme. Le troisième terme, alors il me reste ce 12. Ce 12, je vais l'écrire comme 3 fois 4, comme ça je vais peut-être pouvoir me servir du fait qu'il y a un 3 déjà ici. Donc je vais écrire comme... Je vais écrire 3 fois 4 fois... Alors... Racine de 3 sur 4, je l'ai déjà mis en facteur. S au carré, je l'ai déjà mis en facteur. Il me reste 1 neuvième. 1 neuvième. 1 neuvième, c'est 1 sur 3 au carré. Le tout au carré. Alors ensuite, le, dernier, le terme d'après, c'est ce 48. Donc 48, c'est, rappelez-vous, c'est 3 fois 4 fois 4. On a encore multiplié par 4. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. 3 fois 4 fois 4. Donc 3 fois 4 au carré fois, alors, racine de 3 sur 4, je l'ai déjà mis en facteur, s au carré, je l'ai déjà mis en facteur, il me reste en fait 1 sur 27 au carré, et 1 sur 27, c'est 1 sur 3 au cube, 1 sur 3 au cube, le tout au carré. Plus, alors après, les termes donc, que je n'ai pas explicités ici, et qui correspondent aux, aux itérations successives de la construction du flocon de coque. Alors là, on, obtient, on a obtenu quelque chose d'un peu plus lisible qu'avant. Alors si on regarde un peu plus précisément, on voit qu'en en fait à chaque étape on a multiplié par 4, on a un 4 qui augmente d'une puissance, ici on, a, on peut imaginer que c'est 1, donc 4 puissance 0, là on a 4, donc 4 puissance 1, 4 puissance 2, ici ça serait 4 puissance 3 et ainsi de suite. Donc, donc à chaque fois on a une multiplication par 4 et donc un, et donc un 4 qui augmente d'exposant. Et puis on a aussi un autre terme qui augmente dont l'exposant augmente, c'est celui-ci, ce 3 ici c'est 3 puissance 1, là 3 puissance 2, 3 puissance 3, et ainsi de suite 3 puissance 4. Bon. Alors ce qu'il y a, c'est que euh, ici on a donc 4 puissance 0 et la 3 puissance 1, ici 4 puissance 1 et la 3 puissance 2, ici 4 puissance 2 et la 3 puissance 3, et en fait on voit qu'à chaque fois le, le 3 est à un exposant de plus que le 4. Donc ce n'est pas très pratique. Et en fait, la formule qui est donnée ici, elle donne quand même envie de s'approcher de la somme des termes d'une suite géométrique. Et pour ça, il faudrait arriver à transformer l'expression pour avoir le 4 et le 3 qui sont tous les deux au même exposant. Alors pour faire ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 4 là-dedans tous les termes de cette, de cette, qui sont dans la parenthèse. Et du coup, je vais devoir aussi diviser par 4 pour garder la même quantité. Donc je vais diviser par 4 ici. Alors ça va me faire 1 quart fois s au carré fois racine de 3 sur 4. Et puis comme j'ai divisé par 4, ici je peux multiplier par 4 sans rien changer. Donc là j'ai 1 fois 4, ça fait 4. Plus 3 fois 4. Plus 3 fois 4 du coup au carré. Plus 3 fois 4 puissance 3. Et ainsi de suite. Alors maintenant c'est quand même un petit peu mieux puisque on a le 4 et le 3 dont les exposants augmentent à chaque, euh, à chaque terme qui sont... À la, même, à la même puissance, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas très bien, c'est que ici on a 4 puissance 1, ici on a 3 puissance 1, mais en fait on met le tout au carré là, donc on va avoir finalement un, un 1 sur 3 au carré. Et ici on a 4 au carré, là aussi on a 3 au carré, mais on, met, on élève le 3, le 1 tiers 1 sur 3 au carré, on l'élève au carré, donc il y a quelque chose qui, qui cloche là-dedans. Donc il faut arriver à simplifier ça. Alors pour ça, on peut quand même se rappeler d'une propriété de, des puissances, c'est que si on a 1 sur 3 puissance n, ce qu'on qu a là dans les parenthèses ici, et qu'on l'élève au carré, ben finalement ça fait 1 sur 3 puissance 2n, et donc ça, on peut l'écrire comme 1 sur 3 au carré puissance n. Alors ça c'est intéressant parce que du coup je vais pouvoir réécrire tout ce qui est dans les parenthèses qui sont ici en termes à chaque fois de 1 sur 3 au carré. Alors je vais, je vais le refaire pour que ce soit un peu plus propre, hein. je vais le réécrire un peu plus proprement. Donc là ici ce terme-là, 1 quart fois s au carré sur racine, fois racine de 3 sur 4, ça devient s au carré fois racine de 3 le tout sur 16. Ici j'ai mon 4. Plus... Alors, ici j'ai mon 3 fois 4 puissance 1 fois, alors 1 sur 3 au carré, c'est... Enfin 1 tiers au, au carré, le tout au carré, c'est 1 sur 3 au carré, donc c'est 1 sur 9, et ça je vais l'écrire comme 1 sur 9 puissance 1, comme ça je vais faire apparaître ce terme 1 sur 9. Alors, ensuite, je continue, ici j'ai mon 3, toujours, fois 4 puissance 2 fois 1 sur 3 au carré, c'est 9, c'est 1 sur 9, pardon, fois 1 sur 9, le tout au carré, là on commence à voir un petit peu mieux ce qui se passe, plus alors le terme suivant, 3 fois 4 au cube, fois, alors là j'ai 1 sur 3 au cube, le tout élevé au carré, et c'est là où je vais me servir de la formule que j'ai donnée ici, alors quand je l'applique à ce cas particulier, je peux écrire que 1 sur 3, au cube, le tout au carré, et eh bien c'est 1 sur 3 au carré, le tout élevé au cube. Voilà, ça c'est vraiment exactement cette même formule-là avec n égale 3. Donc là, je peux finalement écrire 1 sur 9, c'est 1 sur 3 au carré, le tout élevé au cube plus ensuite les termes qui suivent que je n'ai pas explicité. Et là, on voit bien ce qui se passe. Ici, on a quelque chose qui ressemble vraiment à la somme des termes d'une suite géométrique. Alors, je vais quand même réécrire une ligne pour que ce soit encore plus, encore plus clair. Donc, j'ai S au carré fois racine de 3 sur 16 fois alors, 4 plus 3 fois... Alors là, au lieu d'écrire 4 fois 4 puissance 1 fois 1 sur 9 puissance 1, je vais directement écrire 4 sur 9 puissance 1. Plus 3, et là je vais faire la même chose, au lieu d'écrire 4 au carré fois 1 sur 9 au carré, je vais écrire 3 fois 4 sur 9, le tout au carré. Plus la même chose pour le terme qui suit, ce qui me donne 3 fois... 4 sur 9, le tout au cube, plus les termes qui suivent. Alors, alors là, ça devient vraiment clair. Euh, cette partie-là, ça ressemble vraiment à la somme des termes d'une suite géométrique de raison 4 sur 9. Donc là, on va s'arrêter pour cette vidéo, mais on continuera dans la vidéo suivante, parce que c'est un peu long. Et euh, ce qu'on va faire plus tard, tout à l'heure, dans la vidéo précédente, c'est calculer finalement l'air de la figure du, du, du flocon de Coq, donc calculer ce qu'il y a dans cette parenthèse, et pour ça, on va utiliser ce qu'on sait sur les, les sommes des termes d'une suite géométrique. Mais euh, on va recommencer tout depuis le début et on ne va pas supposer qu'on qu qu sait ces choses-là sur les les suites géométriques. Voilà. Donc ça c'est euh, le programme de la vidéo suivante. Alors à plus tard pour terminer cette démonstration.